Je vais parler de Purim et de cette partie, puisqu'on parle de à Purim, on lit la Megillat Esther. Et donc un texte assez particulier, je dirai quelques mots là-dessus. Et l'intérêt, si tu veux, de la Megillat Esther, c'est la traduction du mot Megillat Esther, c'est Megillat, ça veut dire révélation, Esther cachée. Donc cette lecture un peu particulière d'une histoire avec Esther, le roi, etc., Mordechai, il y a quelque chose de particulier dedans qui serait une révélation du cachet. Alors, on va rester très peu de temps. Donc, j'ai une petite demi-heure, un peu moins maintenant, pour participer à ce questionnement essentiel. Je dirais le pourquoi, le comment de la vie. Alors, vraiment, les questions essentielles qu'on s'est posées pendant un an, tout au cours de notre étude. Le créateur, puisqu'on parle d'un principe qui est un créateur. Pourquoi la création et comment la création? Et donc, ce qu'on avait vu dans nos conférences, en tout cas, j'insiste, je propose aux personnes qui veulent en savoir un peu plus d'aller sur le site Kabbale Existentielle. Donc, j'ai laissé le lien, je relaisserai à nouveau le lien. Il y a plus de 100 vidéos là-dessus, quand même, on a fait un gros boulot. On est arrivé à la fin de notre cours à une forme d'impasse. C'est-à-dire qu'on a senti qu'il y a quelque chose qui nous dépassait au niveau métaphysique. Notamment lorsqu'on parlait justement de la. Puisque le texte était les voies de la direction divine. Et dans les voies de la direction divine, nous avons vu qu'il y avait en fin de compte deux principes, deux principes de ce qu'on appelle un agathachem, deux façons de conduire le monde. Une façon qui s'appellerait donc l'amour, ce qu'on appelle l'unité, l'unicité, mais cette façon-là, cette manière, cette approche du divin dans le monde n'est pas visible. Et il y aurait une deuxième approche qui devrait être visible, mais qui ne l'est pas pour autant, qu'on appelle la justice divine. D'accord? Donc, je ne vais pas refaire le cours, il y a énormément de vidéos là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est de comprendre l'organisation du monde. Je reprends juste l'introduction du Ramchal, puisque c'est les questions qui se posent dès le départ. Et pour répondre à ces questions, le Ramchal, vraiment, je lis juste une phrase, c'est en premier lieu, il faut développer la question de l'existence de l'homme, de sa tâche, la tâche qui lui incombe, de sa fonction, quoi, afin de rendre compte du but recherché dans tout cela. Bon, on est vraiment dans le questionnement existentiel, hein, d'où, etc. Alors, ce qu'on a vu, je ne vais pas refaire tout, parce que des résumés, il y a des résumés de résumés dans l'ensemble des vidéos que j'ai proposées. La première notion que nous avions vue au niveau du but, c'est le perfectionnement. C'est-à-dire que nous avons un devoir de nous parfaire. Nous sommes nés, on n'est pas fini, donc on le voit dans le texte, hein, et puis on a ce devoir de nous parfaire. La question se pose, qu'est-ce que la perfection, etc. Et on va voir que la perfection, c'est justement d'arriver à une forme de complétude, d'unicité de l'être. Ça, c'est la deuxième chose. Et la deuxième chose, c'était une proximité par rapport au Créateur, puisqu'il y a une forme de tsimsum, de séparation entre le Créateur et la créature. Et tout le travail qu'on a à faire, c'est de nous rapprocher du Créateur. Et tout ça sera en rapport avec Purim. C'est ça qui est extraordinaire et il faut le rentrer dans les textes pour voir cette idée-là. Alors, maintenant, ce rapprochement de la création, en tout cas du Créateur, elle s'exprime dans la Torah par la connaissance. Yadat et Hashem, et tu connaîtras Dieu. Alors, la question que nous avions posée, qu'est-ce qu'on peut connaître de Dieu, puisque il est de l'ordre de l'infinitude, donc le fini, comment peut-il connaître l'infini? Et nous avons vu que, fait compte que cette connaissance n'est pas au niveau de l'essence du divin, elle est au niveau de la direction, la façon dont Dieu conduit le monde, elle est au niveau de la volonté, elle est au niveau de l'unité. Et tu me connaîtras par le nom, par les noms en tout cas les noms de Dieu, etc. Et pour arriver à quelque chose qui est la question en tout cas au niveau métaphysique dans la Torah, Hachem ou Elohim, que Dieu est Dieu, c'est-à-dire que Hachem, le tétragramme divin, Yud-Ké-Vav-Ké, c'est Elohim. Donc il y a une relation aussi d'unicité entre deux principes, deux noms de la divinité, un nom Elohim qui représente le nom de la création, Bereshit bara Elohim, et en même temps qui représente la justice divine. Et un autre nom qui apparaîtra
uniquement au deuxième chapitre de la Torah. J'essaierai de voir si on a le temps de lire le texte lui-même. Hachem Elohim, donc qu'on appelle Hachem le nom ineffable, c'est-à-dire le Yudke Vavke, les quatre lettres du nom divin. Donc on ne le connaît que par ce nom qu'on ne peut pas prononcer non plus. Et cette direction-là correspondrait donc à l'unité et correspondrait également à l'amour. Donc on a un rapport entre l'équilibre de la balance, entre la notion de justice et d'amour. Alors, Hachem représente également l'essence. L'essence, c'est le nom qui représente l'essence. Et lorsqu'on est rentré un petit peu dans cette question de la fonction divine au niveau de la justice divine, on voit en même temps que le questionnement se pose que la justice divine n'est pas visible pour autant. D'accord ? Et lorsqu'on est rentré dans les méandres du pourquoi, comment cette justice divine apparaît quand même juste malgré ce que nous voyons qui semble un petit peu désordonné, on arrive à un moment donné où le questionnement, les variables sont tellement énormes, on n'a plus le saisissement quelque part. Et le Ramchal nous dit que lorsque tu te perds un petit peu dans ce genre de questionnement, chouv la makom, reviens au départ, et le départ c'est la Emouna. C'est une autre forme de connaissance, ce n'est pas vraiment la foi du charbonnier, c'est une autre forme de connaissance qui fait que cela, je sais que c'est. Je sais que cela est vrai. Et c'est cette autre forme de connaissance qui serait l'interface entre la connaissance rationnelle et une connaissance beaucoup plus subtile, je ne veux pas dire simplement intuitive, beaucoup subtile, que nous savons que cela est juste, nous savons que cela est vrai. Et toute l'articulation, c'est de arriver justement à se dire « Hachem ou Elohim ». Je m'étais arrêté là, et en même temps, j'ai ouvert un champ qui était énorme, c'est que j'ai ouvert le champ de l'astrophysique, et je me suis dit que quand on regarde l'astrophysique, quand on regarde les milliards, je dis bien les milliards de galaxies, j'ai vu ce qu'on appelle le grand attracteur, et dans ces milliards de galaxies, notre galaxie elle-même, c'est qu'un point dans l'univers. Et ce point dans l'univers, à l'intérieur de ce point dans l'univers, il y aurait donc des milliards de planètes, d'étoiles. Et dans ces milliards d'étoiles, il y aurait une planète qu'on appelle la Terre, et nous serons au centre du monde, quoi. Et la problématique qu'on a, quel rapport il peut y avoir entre cette infinité qu'on ne peut même pas décrire, et notre relation, aujourd'hui, à une sorte de proximité d'un Dieu particulier, d'un Dieu individuel, d'un Dieu personnel. Et c'est toute la difficulté qu'on a, on dit pas tant. Comment ça fonctionne tout ça? Et on a vu aussi que même la science elle-même, elle avait ses limites au niveau de la connaissance, puisque la science arrive à 14 milliards d'années-lumière, c'est un truc de fou, quoi, mais elle arrive à une forme de frontière qu'on appelle la constante de Planck, la frontière de Planck, sous laquelle on ne peut pas aller plus loin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une possibilité de connaissance du point zéro, on pourrait dire, de la création. Donc autant la science que la métaphysique arrivent à une forme d'impasse dans la connaissance. Maintenant, si je regarde un petit peu la partie de la connaissance, c'est-à-dire on voit quand même que malgré tout, malgré cette infinitude, etc., il y a un rapport, même si on n'arrive pas au point zéro, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le début, donc ça veut dire en même temps on ne connaît pas Dieu, il y a un rapport entre, et ça c'est extrêmement important, entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a une forme de constance mathématique, il y a une règle mathématique qui gère l'ensemble de l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Et quand je parle de l'infiniment petit, je parle jusqu'aux cellules mêmes de la vie, quoi, hein, les plantes, les animaux et l'humain lui-même. Donc on a cette relation mathématique, ce qui fait qu'il y a bien un rapport entre l'infini et le fini. Au niveau, disons au niveau de la science elle-même. Même si elle n'atteint pas le 1, en tout cas le 0 au niveau de la science, on sait qu'il y a ce rapport. Mais si c'est un peu aussi ce qu'on appelle aussi dans les fractales, on dit que le tout est dans sa partie. D'accord ? Donc on est constitué de ces poussières d'étoiles quelque part. Et il y a dans la science de l'astronomie, de l'astrophysique, on voit bien que si j'enlève une simple particule de cet ensemble, bah, l'homme n'existe pas. Donc c'est comme si tout converge vers la création de l'homme. Mais ça, bon, il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de ces choses-là. C'est pas en une demi-heure que je peux le développer, et puis c'est peut-être pas ma fonction non plus. Maintenant,
Tout ce que je viens de dire là, ça s'agit, on parle d'Elohim. On parle de la fonction divine, si tu veux, puisque Elohim est en rapport avec la nature. Elohim, c'est pareil, c'est que ce qu'on appelle la Teva, la nature. Donc, autant c'est infiniment ces forces qu'on appelle Elohim, qui sont de la multiplicité de forces, autant dans l'astrophysique, on trouve une multiplicité de forces qui se regroupent en quatre forces, qui, dans les recherches, nous savons qu'elles vont se recouper en une seule force. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport entre l'infini et le 1, dans la partie science, et on sait également qu'il y a donc un rapport entre l'infini au niveau des Elohim, au niveau du Dieu, de ces multiplicités de forces, qui sont aussi une seule et même force, qui font s'exprimer dans notre monde par plusieurs forces. Mais là, on est avec la connaissance de Elohim, de Dieu, dans sa fonction créateur. Et la question va se poser, qu'en est-il pour la pensée, pour l'intelligence, pour la conscience, pour le désir spirituel, la nostalgie que nous avons de notre ressource, notre nostalgie de Dieu lui-même, quoi. Et ça, c'est pas, ça n'a rien à voir avec les électrons et puis les effets chimiques, électrochimiques. On a quelque chose en nous qui dépasse notre entendement. Et c'est ce qui me permet de parler, de penser, de réfléchir. Et il n'y a plus de rapport maintenant avec les poussières d'étoiles telles que nous les avons. En tout cas, il y a un rapport, mais on ne voit pas le rapport. Alors, le rapport, on va le retrouver dans la Torah. J'espère que je vais arriver à avoir le temps de tout dire, mais je voudrais rester dans un cadre... pas trop... dans la Torah, on a vu que il y a deux niveaux de la création. Au premier, dans les six jours de la création, on a un niveau de la création qui est au niveau de Bara, de la création. Et puis, on a un autre niveau, le deuxième chapitre, où on voit qu'il n'y a pas d'homme. Bah, donc, on parle de la formation de l'homme à ce niveau-là. Et Dieu crée, donc Dieu va créer l'homme ici. Il va le créer à partir de la terre. Et le texte va nous dire que et il lui insouffle, donc Dieu est créé à travers la Adama, ce qu'on appelle, donc Vayetzer Hashem Elohim et Adam, Afar Mina Adama, poussière de la terre, donc on n'est plus poussière d'étoiles maintenant, on est poussière de la terre, hein. C'est intéressant. Vayipar Be'afav, Nishmat Chaim, un souffle de vie, une Neshama de vie, on va dire ça comme ça, et Evaï Adam, l'Enefesh Raya. Et l'homme devient une espèce vivante, on va dire ça comme ça. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette deuxième formation, après la création des six jours de la création, elle est faite avec les deux noms d'Elohim, Hachem et Elohim. Donc, on a ici une unicité des deux principes divins dans la formation, puisqu'on n'est plus dans le niveau de création, dans la formation de l'homme, et on a un souffle qui viendrait s'ajouter à cette partie matière. Alors, j'ai envie de dire comme ça que c'est comme si on a une partie matière infinie qu'on n'arrive pas à la véritable formule mathématique. On sait qu'il y a un ordre de l'univers qui gère le tout. Donc notre corps, il est constitué de ces poussières d'étoiles avec cette intelligence unique qui est... Il y a un livre que j'ai pas encore lu, mais j'ai juste le titre « Dieu est-il mathématicien ?» Puisque cette mathématique, on la retrouve dans tous les éléments du monde. Donc on a cette partie-là. Maintenant, on a une deuxième partie qui serait notre esprit. Donc il va y avoir un rapport entre notre corps et l'esprit. Et je dirais qu'il y aurait le même rapport entre ces deux noms d'Hachem et Elohim, hein, donc du nom divin qui représente l'essence, qui serait quelque part un petit peu comme l'âme du monde, et l'émanation du monde au niveau jusqu'à la matière, qui va se faire par les forces qu'on appelle Elohim. Et donc il y a cette relation qui serait Hachem ou Elohim. Donc cette unicité du nom divin, quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, écoute Dieu, Dieu, notre Dieu, Dieu est un, on reprend la notion de connaissance, d'accord, d'écouter, d'entendement, qu'il y a un rapport d'unicité entre le nom de Dieu Elohim et le nom de Dieu Hachem. J'espère que c'est clair ce que je viens de dire, mais je dis très très vite. Mais ça veut dire en même temps qu'il y a la même notion d'unicité entre ce que je suis au niveau de ma matière et ce que je suis au niveau de mon esprit.
Et c'est-à-dire que cette recherche de perfection, de complétude, serait en quelque sorte l'unicité de l'être humain. C'est-à-dire que je dois retrouver, ce n'est pas simplement la connaissance de l'unité divine, etc., dans sa fonction, hein, qu'il y a un rapport entre la fonction du mishpat, de la justice, et de ce qui est caché de l'amour divin. Il y a aussi un rapport étroit au niveau de l'unicité à l'intérieur de nous-mêmes. Alors maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, parce que je veux rester dans ce... 18h34. Combien 34. Il est 34. Donc ça va, j'ai encore un peu de temps. Alors maintenant, quel rapport avec Purim? Donc on est en train de parler d'un certain secret, d'un certain thème caché, ce qu'on appelle le sod, le caché. Alors on sait qu'à Purim, on a un rituel comme ça, que les gens ne comprennent pas toujours pourquoi, de boire du vin. Pas boire n'importe quoi non plus, du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport entre le vin, qui s'appelle Yain, qui donne la valeur gamatrielle 70, et sod, qui vaut 70 également. C'est-à-dire qu'à travers ce rituel, une forme de festin, où on va exprimer notre libération, c'est un peu la guerre des lumières et des ténèbres, je ne vais pas entrer trop là-dedans, mais il y aurait quand même, à travers, si tu veux, ce festin, une recherche de connaître un petit peu le secret. Alors de toute façon, c'est vrai que quand on boit, c'est un peu nos secrets qui ressortent. Hein. Mais là, on est en train de parler du secret, ce qui est caché, Megillat Esther, ce qui est caché. Et qu'est-ce qui est caché dans la Megillat Esther? Si vous lisez le livre d'Esther, le récit de l'histoire, en fin de compte, d'Esther, Mardoché, Achashverosh, et toute cette histoire où on veut Aman, où on veut tâter, on frappe sur la table, comme ça, où on veut détruire le peuple d'Israël, et finalement, c'est les méchants qui bon, c'est vraiment la guerre. Mais c'est une histoire très très profonde, parce qu'on voit ces choses-là qui se réalisent vraiment. Il y a un rapport entre cette histoire et notre réel. Et il y a un rapport, il y a des textes aujourd'hui, il y a le secret des codes d'Esther qui vient nous dire qu'il y a aussi un rapport avec la Shoah. Mais qu'est-ce qui est vraiment caché, aussi bien dans la Shoah que dans notre monde, que dans la Megillat Esther? C'est Dieu lui-même. Il n'y a pas le nom de Dieu qui apparaît. Donc Megillat Esther vient nous dire un petit peu, voici le rouleau, voici le livre de la révélation du caché, voici le livre de la révélation d'Hachem qui agit incognito. C'est-à-dire, il y a une histoire, on ne voit pas Dieu, mais il agit incognito. Et quand je regarde un petit peu la Guémara Megillah qui parle un petit peu de ce rouleau, mais là je suis là au niveau de la Guémara, il y a des choses qui sont très étonnantes. Alors, la Guémara, c'est très pratique, c'est vraiment très concret, on parle vraiment de comment faire les lois, etc. C'est la Guémara qui nous amène au Shulchan Aruch, qui est en même temps le livre des lois, au niveau du comment faire, comment vivre en tant que juif ce monde-ci. Mais de temps en temps, on a dans la Guémara des agadotes, des choses un peu qui sortent un petit peu du concret et qui nous emmènent dans une certaine métaphysique. Là, au niveau concret, on nous dit que, par exemple, là, Purim va se faire dimanche. Mais si je suis en Israël et je suis dans une ville qui est fortifiée, ça va se faire lundi. Il y a un décalage et il y a toute une discussion pour le décalage, etc. Et puis de temps en temps, il y a des mots qui sont rajoutés et le texte nous dit, bon, si on rajoute ces textes, c'est pour nous répondre d'autre chose. On voit que on nous parle maintenant des lettres hébraïques. Les dernières lettres hébraïques, les lettres finales, sont les veilleurs. Et voici les commandements. On rentre dans une métaphysique maintenant sur les lettres hébraïques. Je ne vais pas rentrer parce que c'est un texte qu'il faut prendre vraiment mot à mot. Mais il y a toute une discussion justement à un moment donné sur ces lettres hébraïques, ce qu'on appelle les veilleurs. Donc c'est déjà quelque chose. Et après, on voit que ce sont des choses qui sont discutées dans les commentaires. Et je dis juste un petit peu ce passage à la fin. Donc il y a Zacharie, Malachi, tous les prophètes sont là en train de réfléchir sur cette question-là. On est dans une question sur savoir pourquoi on lit la Megillah avec une journée de décalage lorsque c'est une ville qui est entourée de remparts. Et puis je dis ce texte-là qui est très étonnant. Une voix céleste s'est fait entendre et a dit: qui est celui qui a dévoilé mes secrets aux humains? C'est comme si, dans un texte comme ça, très très technique, très, très pratique, si tu veux, il y aurait quelque chose qui serait de l'ordre d'un secret eu. Et qui a enseigné ces secrets, tu vois? Donc, et là, on voit que le livre lui-même, si tu veux, il vient nous parler des quatre niveaux d'interprétation en même temps.
Et je suis dans la Guémara, je ne suis pas dans un texte de Kabbale. Donc on voit bien que dans ce livre de Megillah, il y a quelque chose qui viendrait nous dire que à l'intérieur de ce texte, de ce récit, il y a une possibilité de décodage, en fin de compte. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle « Le code d'Esther », mais là, qui a parlé principalement par rapport à la Shoah. Il y a une possibilité de lecture. Voilà, je relis un petit peu notre texte. « Ils firent la lecture dans le livre de la Torah de Dieu, clairement expliqué. » Et ça veut dire quoi, clairement expliqué? Ça veut dire selon les quatre niveaux. « En plaçant bien le sens, ils comprenaient la lecture. Ils firent la lecture dans le livre de la Torah de Dieu. Et c'est la lecture du texte lui-même. » Donc là, on explique d'une façon cachée qu'il y a quatre niveaux de lecture dans ce texte-là. Je ne veux pas rentrer là aussi, je ne veux pas rentrer, mais... Alors, il y a des lettres qui sont, c'est pas les dernières lettres, il y a des lettres qui sont finales. Tu vois, par exemple, c'est les lettres finales. Ouais. Donc, c'est les lettres comme le mem, le tsadé, le p, tu vois. Donc, c'est des lettres qui sont finales, qui ont une fonction assez particulière. Donc voilà. Donc on est dans un texte qui nous ouvre un champ de métaphysique. Alors moi, le lien maintenant que je vais faire entre cette idée où Dieu est Dieu, c'est quoi Dieu est Dieu, c'est Hachem ou Elohim, c'est quelque chose qui sera quelque part révélé à la fin des temps, puisque c'est l'unicité, hein, la notion d'unicité, l'idée que je dois retrouver mon unité moi-même, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le corps et l'esprit, et là je vais être au niveau de la connaissance et de la foi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a fait ces études, je me suis dit que quand on a perdu le fil conducteur de la connaissance intellectuelle, je parle rationnelle, il faut revenir à la Emouna, qui est une autre forme d'approche, et c'est par cette articulation d'aller au maximum de mes capacités de comprendre et de m'arrêter à là où je ne peux plus comprendre, mais garder le socle de la Emouna. Sinon, bah, on se perd et puis il n'y a plus de sens, quoi. Et donc il y aurait ce rapport entre aussi rationalité et métaphysique, connaissance métaphysique. Et je pense qu'il y a, cette unicité, justement, c'est qu'il y a aussi une possibilité de rationaliser, pourquoi pas, de rendre cohérent le discours métaphysique. De voir que c'est vrai, et en même temps, je peux arriver à un certain niveau de compréhension. Et ça, je vais terminer sur ça, sur une chose qui n'est pas directement en rapport avec ce texte-là, mais avec un autre texte, ce qui est Naase Venishma. Quand on dit Naase Venishma, c'est que je fais et je comprendrai. Alors ça, on trouve ça dans la Parasha Mishpatim, mais juste avant cette notion, et quand on entend je fais et je comprendrai, Naase Venishma, le Midrash vient nous dire, mais qui a enseigné? C'est ce secret des anges. On retrouve la même chose. Hein. Le secret des anges serait quoi? Donc quoi? Ben, les rabbins nous disent, c'est simple, si tu veux comprendre quelque chose, il faut d'abord le faire. Mais ce n'est pas un secret, c'est des anges. Donc il y aurait quelque chose dans le Naase Venishma, quelque chose de l'ordre de la transcendance que seuls les anges connaissaient jusqu'à présent. Donc ce n'est pas un truc simple de dire, fais, tu comprendras, que de faut d'abord faire et après on comprendra. Donc on est dans un cadre totalement métaphysique. Mais juste avant de dire Naase Venishma, lorsque les enfants d'Israël ont reçu la Torah de Moïse, ils n'ont pas dit Naase Venishma. Dans la révélation, dans Yitro, dans la paracha de Yitro, c'est donc chapitre 19 de Exode, ils disent « Kol Asher diber Hashem naase » tout ce que Dieu dit, je ferai. C'est-à-dire que, et les commentaires disent que les enfants d'Israël ne voulaient pas simplement un enseignement qui serait une forme de transmission de l'enseignement, ils voulaient avoir l'expérience en direct. Et quand ils ont eu l'expérience en direct, après... Le texte nous dit ils ont eu foi en Moïse. Donc la notion de foi vient en second degré. Il y a une expérience qui s'est faite au niveau du Sinaï. Donc on aurait des germes, si tu veux, peut-être dans notre conscience, dans ce qu'on est en train de dire, dans notre âme, quelque chose qui nous a été insufflé par le divin, on aurait une forme de souvenir de cette expérience directe. Et c'est ce qui nous a donné justement cette capacité de pouvoir avoir foi. Mais cette notion de foi, ça ne peut pas être simplement « j'y crois, je ne comprends rien ». Et là, les enseignements, notamment l'enseignement de la Chassidoute, viennent dire « non, attention, cette foi-là, comme c'est le secret des anges, c'est une véritable connaissance ».
elle est au-delà, elle est plus haute que la connaissance rationnelle. C'est une vraiment connaissance, et ce naase venishma est la capacité de savoir que je suis dans le juste, dans le vrai sens, et que ensuite j'ai besoin de rationaliser. Mais avant, je n'ai pas besoin de rationaliser parce que j'ai la connaissance. Donc il y aurait une forme de capacité de rationalisation de quelque chose de totalement métaphysique. Et donc j'arrive à la même chose. L'unicité, maintenant, je la mets au niveau de la connaissance intellectuelle et de cette connaissance métaphysique. Et cette connaissance métaphysique me mène à l'action, même si je n'ai pas tout compris. Alors que la connaissance rationnelle me demande d'abord de bien comprendre ce que je dois faire. Donc voilà, donc, et là on est encore dans cette notion d'unité. On a plusieurs niveaux d'unité entre Hachem et Elohim, le corps et l'esprit, et là la connaissance et la connaissance métaphysique qu'on appellerait la foi, la émouna plutôt. Voilà. Et pour ça, à la fête, il faut boire un peu pour quitter un peu ce niveau rationnel, parce que si je suis trop dans la rationalité, je ne peux pas atteindre ce niveau-là. Donc l'idée de dire je vais boire, etc., ce n'est pas pour se saouler, c'est pas pour devenir des ivrognes, c'est pour arriver à se déconnecter un petit peu de notre rationnel classique. Et pour ça, il faut aussi se déconnecter un petit peu de notre corps. Et c'est pour ça qu'on fait un festin, on fait la fête, on boit, on rigole, mais on sort des secrets qui sont extraordinaires. Donc il y a des conférences Internet, c'est bourré de ça maintenant, en Israël, on parle que de ça. Donc moi-même, j'ai fait une conférence il y a quelques années sur Purim, et ça vous le retrouvez sur Internet. Et ce qui est très intéressant, on est jeudi, donc là je suis en jeûne, donc je ne suis pas tout à fait dans l'état normal, mais bon, c'est rien du tout une journée de jeûne, tandis que la dernière fois que j'ai fait la conférence sur Purim, j'étais complètement sous. Et c'était quand même intéressant de voir ce qui a pu sortir du texte lui-même à ce moment-là où on était un peu déconnecté. Bon, je vous souhaite un bon Purim. Merci d'avoir été là. Merci de la présence de... Je vais